Salut, dans cette vidéo, on va regarder ensemble un différentiel qui est un petit peu particulier. C'est un différentiel Torsen qui était fabriqué par Fioroni, un distributeur fabricant italien qui a fait de nombreuses options pour les modèles réduits. Alors, ce modèle, c'était un différentiel pour Kyosho Inferno MP5. Donc c'est un modèle buggy 1/8 tout terrain des années 90. Il a été champion du monde entre 92 et 97 à plusieurs reprises. Et donc il avait la particularité, ce Torsen, de se monter sur le train avant ici. Mais ça existait également avec une couronne de différentiel central. On a les noix ici. Alors on va le démonter pour voir sa conception en fait. On a les noix de chaque côté. Ici, on a un corps aluminium qui peut s'enlever, hein, qui tient par un afflux de graisse à l'intérieur. Hein. Ça tient, voilà. Ici, on a les roulements. Ça devait être du 8x16x5, hein, le classique. 8x16x5. Et on trouve ici tout le mécanisme intérieur. Donc c'est un différentiel Torsen autobloquant. On voit qu'il y a des cylindres très nettement hein, ici, voilà, qui tournent, qui permettent une motricité très importante sur les sorties de différentiel, puisqu'il y a plus de points de contact en fait à l'intérieur du différentiel. On a ici les deux avec les quatre engrenages au bout, même chose de ce côté, et à l'intérieur, de chaque côté à l'intérieur, on a aussi un engrenage au milieu qui permet de faire à la jonction. Voilà, donc ça répartit évidemment les forces sur les sorties, sur les noix, et ça fait office de différentiel. Voilà, alors celui-ci, il est différent du Exen, qui lui avait un système d'embrayage qui permettait à la fois d'être souple à très basse vitesse et d'avoir beaucoup de grip à l'intérieur du diff et donc de la motricité à l'accélération parce qu'il y avait un système centrifuge à l'intérieur du différentiel. Ici, ce n'est pas le cas puisque les axes ils sont fixés ici par des vis, ils tournent évidemment librement sur leur axe, mais il n'est pas progressif. Par contre, il apporte une motricité assez exceptionnelle sur le train sur lequel il est monté. Alors on peut le monter sur un train avant, un train arrière, et il existe avec la couronne centrale également pour pouvoir monter ce type de différentiel sur un différentiel central. Voilà, donc c'était petite revue de l'option Team by Fioroni, fabrication italienne, et ce modèle il a une trentaine d'années hein, puisqu'il se montait sur le Kyosho Inferno MP5, mais aujourd'hui ça devient très compliqué quand même pour récupérer des pièces, notamment de l'intérieur de ce différentiel Torsen. Voilà, mais c'est quand même une belle pièce à conserver dans l'historique des modèles RC. À bientôt. Ciao.